Nous sommes au pont du Djoué, sur la principale voie d'accès dans les différents quartiers de Madibou, dans le 8e arrondissement de Brazzaville. Ici, la route est dans un état défectué, occasionnant ainsi des embouteillages au quotidien. Cette dégradation routière qui rend difficile la circulation au niveau du pont du Djoué complique la tâche aux conducteurs de transport en commun de rouler normalement. Non, c'est pas facile, c'est difficile à rouler. Là, la route est bonne, chaque fois il y a des embouteillages, ça crée l'embouteillage parce que la route n'est pas bonne. Au pont du Djoué, il faut rouler lentement au risque d'endommager les véhicules. Les usagers de la route demandent l'entretien de cette voie. On ne peut pas travailler sans les voies, nous pas en bon état. Il faut les voies que ce soit normal. L'État ne puisse nous arranger les voies, en plus payer aussi les droits. Mais si les voies n'est pas normal, il bime les roues et les rotules de direction. Ben, arranger la route convenablement parce que l'embouteillage c'est trop. Une cliente à bord d'un bus a relevé la nécessité d'aménager cette route qui cause le retard de certaines personnes au travail. Oui, parfois on est en retard au travail et on demande qu'on puisse nous arranger. Surtout le problème du pont du Djoué, c'est toujours la même chose. Le matin et à 16h, il y a toujours d'embouteillage. Donc quand tu sors, tu es obligé d'attendre quelque part pour rentrer le soir, pour ne pas attendre l'embouteillage. Même sur l'avenue de l'OMS à Sangoulo, la route laisse à désirer. Vraiment ici, c'est nous, la route est vraiment mauvaise. Les voitures ont du mal à passer, surtout le mal à l'aise. Quand ils montent, quand c'est bien rempli, ils cognent même le goudron. Il a vraiment du mal à passer. Il y a souvent l'embouteillage ici. Donc on ne peut pas travailler dans ce genre de conditions. Nous demandons à l'État de penser vraiment à nous parce que ça, c'est la route, la seule route qui nous aide à de partir à Total, bon, remonter. Bon, si on laisse cette route-là se casser, comment on va faire pour aller à Total, transporter les matériels, ce déplacement, ça ne marche pas. Au regard de la dégradation de la route au niveau du pont du Djoué, les autorités compétentes devraient aménager cette voie routière en vue de pallier les embouteillages à cet endroit.